Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle entreprise, Aura Group ou Aura Bank. Il s'agit bien sûr de la même entreprise. Aura Group est une entreprise qui est située au Togo. Et le Togo fait partie des pays de l'UEMOA. Et vous savez qu'ici, nous parlons de la BRVM. Donc, la BRVM, c'est la bourse de l'UEMOA. Donc, si une entreprise se trouve en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, ou au Niger, nous parlons de toutes ces entreprises-là ici. Vous comprendrez quel est le nombre ou alors quels sont les actionnaires de l'entreprise Aura Group. Vous comprendrez aussi depuis quelle année cette entreprise a été introduite à la BRVM. Oui, il s'agit de tout cela dans cette vidéo. Bonjour, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mon nom c'est Amani Serge. Ici, je parle d'investissement à la bourse, éducation financière et aussi de la finance personnelle. Une chose, si vous aimez bien cette vidéo, donnez-nous le temps de ça pour dire que vous aimez. Posez vos questions toujours en commentaire, c'est ce que tout le monde fait ici. Quand vous avez une question, posez-la toujours en commentaire, partagez la vidéo autour de vous et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sans plus tarder, allons maintenant vous présenter Aura Group. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui encore, nous continuons dans notre chemin de présentation. La dernière fois, nous avons présenté bien l'entreprise que vous avez vue. Aujourd'hui, nous poursuivons dans ce chemin-là en vous présentant une nouvelle entreprise qui est du secteur bancaire, Aura Bank. Ou alors, si vous voulez tout simplement, Aura Group. Voilà. Et cette entreprise se trouve au Togo, qui fait partie toujours de l'UEMOA. Voilà. Donc, comme vous le voyez toujours sur mon écran, c'est marqué là Aura Group Togo. Et le symbole de cette entreprise-là, c'est ORGT. Bien clair. Donc, c'est le logo de l'entreprise. Et société Aura Group SA. Secteur d'activité finance. C'est bien le secteur bancaire. Pays Togo. Introduction à la bourse le 16 avril 2000, 2019. Donc, ça, c'est récent. Voilà, quand ça a même été introduit à la bourse en 2019, j'ai payé des actions en Sénat 2019. Là, j'en ai acheté au nombre de 35. Ok, donc téléphone de l'entreprise, vous avez d'abord le code pays qui est 00228 et puis vous avez 22 23 05 80. Ça, c'est le contact de l'entreprise. Nombre de titres, 69 millions. 415 031. Ça, c'est le nombre total d'actions que possède l'entreprise. Flottant, 20%. Flottant, j'ai dit toujours que quand on fait allusion à flottant, pensez toujours au public. Voilà, c'est-à-dire que le public détient 20% des parts de l'entreprise quand on parle de flottant. C'est-à-dire que vous et moi, c'est ce qu'on peut acheter à longueur de journée, garder sur des années, ou garder sur des mois, ou tout simplement, si vous voulez, des semaines. Comme il y a des gens qui font du trading, et ils gardent cela de manière journalière pour pouvoir en revendre le soir. Donc, on ne fait pas de trading. Le site web de l'entreprise, vous avez www.aurabank.net.fr. Ça, c'est le site de l'entreprise. Donc, si vous allez sur ce site-là, si vous cliquez, vous aurez toutes les informations concernant l'entreprise, les sièges,
les différentes localisations des agences, bien sûr. OK. Présentation. La société Aura Group SA, société anonyme, c'est bien ça ce qui signifie SA, est une holding à participation financière constituée sous forme de société anonyme avec conseil d'administration E et est immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier de Lomé sous le numéro 2000 B1130. Elle a pour objectif, pardon, elle a pour objet toute opération commerciale, financière, mobilière ou immobilière et de prestation de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tout autre similaire ou connexe. Déterminant sectoriel. Secteur très réglementé, de plus en plus contraignant, du secteur bancaire. Taux de bancarisation faible, ça on le sait tous, les pays africains ont toujours le même problème. Taux de bancarisation, les gens préfèrent garder leur argent dans les maisons, dans des caisses, que de venir les garder à la banque. Ils n'ont pas aussi tort. Bonne perspective de croissance du secteur, ça c'est ce qui dit les textes, les recherches, et si vous voulez, on va parler des audits parce que c'est eux qui donnent tous ces résultats-là. Donc ils parlent de bonne perspective. Principaux actionnaires, vous voyez bien le diagramme. Diagramme qui est divisé en combien de parties, on va les compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le diagramme est divisé en 5 parties. Et la partie la plus grande, c'est ce qui est en bleu ciel. Ça, c'est carrément la moitié. C'est-à-dire que cette entreprise-là, qui possède cette partie en bleu, c'est SCP. Cette entreprise possède 50,1% des parts. Donc, actionnaire majoritaire de l'entreprise Aura Group. Et puis, la partie en noir, c'est le public, 20%. Ça, c'est le public qui possède cette partie-là, 20%. Autres actionnaires, ça, c'est ce qui est en vert. Ces actionnaires possèdent 18,50%, ce qui est en vert. Et autres actionnaires, ce n'est pas précisé. Donc, on a aussi Proparco qui possède 7,43% des parts de l'entreprise. Proparco, c'est ce qui est en orange. Et vous avez maintenant la partie en bleu, on va dire que bleu qui tend un peu vers le violet, c'est Bio qui possède 4,06%. Donc voici les principaux actionnaires de l'entreprise. Les publics, on parle de vous et moi. D'accord, donc vous avez un peu cette présentation brève de l'entreprise Aura Group. N'oubliez pas, si vous avez toujours une question, posez-la toujours comme font les autres en commentaire et je prendrai le temps de répondre. Même si ça prend 2 jours, un jour, je répondrai certainement à votre question. Oui, n'oubliez pas, si vous voulez apprendre comment investir la bourse, la première étape, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un compte titre. Et si vous ne savez pas ouvrir un compte titre, ce n'est pas grave. Nous avons un cours en ligne qui est fait pour vous gratuitement, ce cours-là. Voilà, c'est un cours en ligne. Vous avez des vidéos et des exercices, des textes, et vous allez vous lisez d'abord les vidéos, lisez les textes, vous faites les exercices, vous prenez votre cours et vous contactez votre SGI directement. Vous rendrez dans leurs locaux pour aller ouvrir votre compte titre avec les documents qu'ils demandent. Et une fois que le compte titre est ouvert, maintenant, vous devez vous former. Parce que sans formation, il n'y a pas de succès. Oui. Donc, si vous voulez bien sûr investir sérieusement à la bourse et apprendre aussi à vos enfants, ça, c'est le principe. Apprendre à ses enfants, c'est très important parce que c'est ça l'éducation financière. Il faut faire en sorte que, une fois que vous êtes éduqué financièrement, vos enfants aussi en bénéficient. Parce que quand vous ne serez plus là demain, nous sommes de passage. Quand vous ne serez plus là demain, vos enfants pourront à leur tour enseigner aussi leurs petits-enfants, leurs enfants. Comme ça, tout le monde sera éduqué dans la famille et cette histoire d'argent ne sera plus la même chose comme dans le passé dans votre famille. Donc, c'est très important. L'éducation formelle, c'est bien. Oui, là-bas, on ne nous apprend pas ce que c'est que l'argent. Oui. Et si vous voulez apprendre ce que c'est que l'argent, c'est par votre propre formation, auto-formation, par la lecture ou par un cours en ligne. Ou alors il y a des books, des livres, ou alors si vous voulez, vous pouvez souscrire auprès d'un mentor pour vous apprendre ce que c'est que l'argent, l'investissement et puis la finance personnelle. L'argent est fait pour 3 choses. D'abord le plaisir. Ensuite, il faut investir. Troisièmement, il faut donner.
y a des gens qui veulent attendre d'avoir des millions avant de donner. Non. On fait les trois choses en même temps. Même si vous avez 1 000 francs, si vous avez un salaire de 1 000 francs, il faut faire les trois choses en même temps. Vous faire plaisir, investir et puis donner. C'est ça. En dehors de ces trois choses-là, tout ce qu'on fait avec l'argent n'a aucune valeur, pardon, spirituelle. Donc, ce sont ces trois choses qui sont reconnues et c'est ça qui peut vous donner des forces et c'est ça qui peut vous faire vraiment avancer, être content envers vous-même et puis atteindre vos objectifs. N'oubliez pas, vous faire plaisir, investir et donner. À la prochaine. Allez, dites les choses à la fin.